Bonjour, aujourd'hui dans Plaisir de Scrap by Karine, après les petites boîtes à friandises et la boîte à dragées, après cette petite carte tout en fraises, nous allons réaliser cette dernière petite carte sur le thème des fraises avec une jolie fraise faite en 3D et une jolie décoration. Donc, pour ce faire, nous allons avoir besoin du set de tampons, parfum de fraise avec sa perforatrice. Nous allons avoir besoin de papier feuillage sauvage et nous allons avoir besoin de papier rouge ainsi que de papier blanc. Dans le papier blanc, nous allons faire la base. Donc, la base de carte, c'est une feuille A4 coupée en deux, donc dans le sens de la longueur du plus grand, donc à 14,85. On coupe la feuille A4 en deux et après, on plie en deux et nous avons une base de carte. La base de carte, elle peut être faite ou pour une carte dans ce sens-là ou pour une carte dans ce sens-là. Voilà. Donc, nous, aujourd'hui, nous allons réaliser une carte qui s'ouvre sur le bas. Donc, pour ce faire, nous allons déjà commencer par faire tous les tamponnages. Donc, les tamponnages des fraises, des feuilles et les petites queues des fraises. Pour du papier rouge, un bout de 7,5 par 10 et je vais arrondir les angles. Donc, ça, voilà. Une fois que j'ai coupé mon bout, je vais pouvoir mettre un tampon. Et j'ai choisi celui-là qui avait des feuilles et des fleurs. Pour créer un fond, donc je vais passer mon tampon avec l'encre feuillage sauvage. La seule chose, c'est qu'il ne faut pas tamponner pour être au milieu, c'est de créer des jolies choses, donc de tamponner un peu où on a envie. Pour créer, essayer de créer quelque chose de joli. Voilà. Puisque nous sommes sur ce fond, nous allons prendre un petit peu une goutte d'encre de murmure blanc que nous allons poser un tout petit peu, juste une petite goutte sur un bloc acrylique et nous allons prendre notre crayon estampe pour juste faire un petit peu de couleur aux fleurs pour donner un petit peu, pour faire ressortir un petit peu tout ça. Une petite goutte sur un bloc avec notre crayon, on vient colorier l'intérieur de notre feuille doucement. On fait ça pour toutes les fleurs. Un petit point au milieu de mes fleurs. Et voilà. Notre fond rouge est déjà prêt. Dans du papier blanc, nous allons tamponner la fraise. La fraise pleine. Nous allons tamponner la fraise pleine en couleur rouge-rouge. Faire un tamponnage où j'ancre mon tampon et je tamponne ma feuille. Vous voyez là, c'est très foncé. Et les autres, ça va être des tampons de seconde génération. Donc on a tamponné une fois, c'est beaucoup plus clair. C'est pour faire plusieurs couleurs sur les fraises, que les fraises soient pas toutes les mêmes. Donc
un tamponnage sur un brouillon, un deuxième sur ma feuille. Donc, nous allons prendre le tampon qui fait les contours de la fraise. Et là, on fait un tampon de première intention pour vraiment créer un contraste sur notre fraise. Et voilà, une fois que nous avons bien tamponné nos fraises, je vais commencer par le tampon qui fait le fond de la petite queue et après celui-là. Donc pareil, le tampon du fond, je le fais en deux temps. Donc je prends la couleur encre vert jardin. Une fois à côté, deux fois. Après, je prends le tampon et là et pour la feuille, donc je prends de l'encre et je tamponne. Je fais pas le fond, c'est vraiment et maintenant avec les fleurs, je prends le petit doigt en mousse comme pour les boîtes fraises. Je prends mon doigt en mousse, je mets un peu d'encre. Je peux faire plus ou moins foncé, je peux en faire plusieurs, comme ça, ça me permettra de choisir celle que j'aurai envie. Après, avec la perfo, je me positionne, je mets notre feuille et je fais pareil avec les feuilles ou avec les fraises. Et on fait pareil avec les fraises. Alors maintenant que nous avons tout découpé, pendant que notre encre est encore sortie, nous allons reprendre notre encre vert jardin et sur trois petites queues, feuillages de queue là, pas comment on peut appeler, de fraises, on va ancrer les bords afin d'enlever le blanc qui se forme quand on coupe avec la perforatrice, parce que pour celle-là, sur 3, parce que pour celle-là, ça sera sur celle de la fraise en 3D. Nous allons monter notre petite fraise en 3D. Alors pour cela, rien de plus simple. Je prends 3 formes de fraises que je viens de faire. Je prends les 3 petites queues des fraises que je viens de faire.
et je les plie symétriquement l'une sur l'autre. Je fais pareil avec mes trois petites queues. Je colle. Je mets de la colle que sur les feuilles du bas. Et pas sur la petite queue, parce que je colle comme ça. Voilà. Donc ça sert à rien que je mette de la colle au-dessus, si ce n'est m'en mettre plein les doigts. Et je fais ça pour les trois. Je prends deux formes pliées. Et je les encolle l'une contre l'autre. Donc je mets un petit peu de colle. Et j'encolle mes deux fraises. Je fais pareil avec la dernière, un petit peu de colle. Et j'en colle mes fraises. Puisque je suis dans la colle, je prends mes deux dernières fraises et j'en colle mes petites fraises, mon petit fond. Maintenant, nous allons passer au petit nœud. Donc, je prends un bout. Donc, je prends suffisamment grand pour pouvoir faire un nœud sans m'énerver. Et je vais faire mon petit nœud. Nous avons fait notre petit nœud. Alors moi, pour vraiment pas que mon nœud bouge, je vais déjà coller ma fraise et je vais la coller en 3D. Voilà, je vais en mettre deux. Je voudrais la glisser. Voilà. Maintenant, je vais déposer un petit peu de colle pour la coller. Et j'essaye de la centrer du mieux possible. C'est parfait. Nous allons juste recouper un petit peu de galon. Voilà.
nous allons passer à cette partie. Donc j'ai collé deux petites feuilles par là. Alors cette partie, vous faites bien comme vous avez envie, moi c'est qu'une idée. Ah, j'ai oublié, sur ma fraise en 3D, je voudrais bien enlever les bords blancs qu'on a créés avec la découpe. Donc, je vais prendre ma couleur rouge, mon petit doigt en mousse et je vais ancrer les bords. Faisons attention d'éviter la feuille. Donc avec le rouge rouge, c'est beaucoup plus joli. Et dans notre papier feuillage sauvage, nous allons donc faire une petite étiquette. Et donc dans notre papier feuillage sauvage, j'ai fait une petite étiquette. J'aurais pu qu'à la coller avec ma petite fraise en 3D. Ma petite carte est prête. Donc après, les petites boîtes, la carte en forme de fraise, nous avons réalisé cette petite carte la fraise. Maintenant, à vous de créer. Amusez-vous bien avec votre set parfum de fraise. À bientôt sur Plaisir de Scrap by Karine.